rien. Et les États. Voilà. Maintenant que les États-Unis sont dedans. Mais parce que nous avons laissé la France faire. Complicité intellectuelle. D'accord. Donc ne dites plus jamais ça. C'est hyper faux. Et c'est d'une gravité qu'on n'oublie jamais lever. Les malheurs du Cameroun et la France-Afrique, je rectifie, a tellement détesté le Cameroun parce que ce n'est pas une affaire de l'UPC. Pourquoi vous enlevez Mbida? Pourquoi des gens enlèvent Mbida? Mais maintenant, il y avait Charles Assali, il y avait Charles Kala. Pourquoi on parle le dernier du lycée, comment on appelait leur école? L'école qui était primaire et supérieure, le dernier des classes. S'il vous plaît. Au même moment, on donne le docteur Oufour Bani à la Côte d'Ivoire. Au même moment, on donne l'agrégé Senghor au Sénégal. Les Français ont viscéralement détesté le Cameroun. Les gaullistes. D'accord. Et c'est là notre problème de fond. S'il vous plaît, Napoléon a voulu conquérir la Russie et qu'il est arrivé à Moscou. Et c'est parce que les Russes, par certains militaires, ont brûlé la ville. Coincé parce que la ville était brûlée, était en bois. Coincé parce que l'hiver était sévère. Il est rentré. Très bien, s'il vous plaît. On est d'accord. Le rapport, c'est que le monde est donc divisé après la deuxième guerre. Il y a même un mur. Tu sais qu'il y avait un mur. Tu as dit que la Russie a tort d'avoir déclaré la guerre. Maintenant, après la division du mur, on avait dit que l'OTAN va venir s'installer en Ukraine. Professeur Benek, s'il vous plaît. Quand la Russie a fait la même chose, peut-être qu'il ne connaît pas l'affaire de la baie des cochons. S'il vous plaît. Quand la Russie est allée à Cuba, est-ce qu'on peut arrêter le micro de professeur Baïlek, s'il vous plaît? Je vous en prie. Reprenez votre place. On a compris. Je vous le conseille. Russie, l'Occident ou alors la France. Mais le beaucoup d'été. La question que je vous posais, Jean-Baptiste Atemeng, à vous d'abord, puisque vous voulez parler. Est-ce que, je vous le conseille, la France, vous le dites, je reprends le propos de professeur Baïbek, n'a pas beaucoup aidé le Cameroun, au contraire même, a participé à ce que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui, si tant est que le Cameroun est le chaos que vous semblez décrire sur ce plateau. La question que je pose, est-ce que la Russie, justement, c'est le partenaire qui s'inscrit ou alors qui pourra nous faire sortir de cet obscurantisme qu'aurait créé l'Occident dans ce pays. Moi, je pardonne à M. Mbala. En fait, comme je vous avais dit, pardonnez, là, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le néocolonialisme qui vous donne ces idées, même si c'est dans la tête. Je suis désolé. On parle de 60 ans et on parle de 2% de... Je suis d'accord avec vous. Vous savez, quand l'UPC luttait contre la France... C'était avec l'aide de l'Union soviétique et de la Russie et de la Chine. Vous avez quand même oublié ça. On est d'accord, s'il vous plaît. S'il n'y avait pas la Russie et la Chine, le monde serait unipolaire. S'il n'y avait pas la Russie et la Chine, il n'y aurait pas de pouvoir populaire en Afrique. Il n'y aurait pas aujourd'hui le MPLA à tête de l'Angola. Cuba a envoyé 15 000 médecins. Monsieur Anissé, moi j'ai un problème concrètement, on va aller sur de nouvelles bases. On n'insulte pas les gens sur ce plateau. Oui. On essaie d'être courtois. On prend la parole lorsqu'on vous la passe, s'il vous plaît.